Bon, ici maintenant je vais voir la gamme. Bon, ça c'était pour la gamme majeure. La gamme majeure, Fa majeur, Si bémol majeur, bémolisé bien sûr, en majeur, Fa majeur, bémolisé. Enfin, ici il n'y a pas de bémol, enfin, mais ici, Fa majeur, il y a Si bémol, oui. Si bémol majeur, il y a Si bémol et mi bémol. Mi bémol majeur, il y aura Si bémol, mi bémol et La bémol. La bémol majeur aura Si bémol, mi bémol, La bémol, Ré bémol. Voilà, et c'est un décalage. Voilà, vous voyez que c'est un décalage. Alors maintenant, je rappelle ici, bon, comment trouver en mineur, la relative en mineur. Parce qu'il existe aussi une clé en mineur où il y a un Si bémol. Il existe une clé en mineur où il y aura Si bémol, Mi bémol. Une clé en mineur qui aura Si bémol, Mi bémol, La bémol, etc. Alors, comment trouver cette clé? Ben, il suffit d'enlever 1,5 ton. Attention qu'ici c'était plus 2,5 tons, mais là quand j'enlève 1,5 ton, j'ai la relative en mineur. Hein. Pour aller de là à là, ouais, pour bien expliquer ça, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre plus 2,5 à 1 moins 1. Pour aller de là à là, c'est plus 2,5. C'est-à-dire, connaissant la clé, je prends par exemple je prends le Si bémol. Je connais la clé. Je suis en Si bémol majeur. Eh bien, pour trouver la dernière, comment est-ce qu'on appelle ça, note bémolisée, eh bien, je vais rajouter 2,5 tons. Si j'ajoute un ton, un demi-ton à Si bémol, j'aurai Do bémol. Voilà. De Do bémol, si je rajoute un ton, j'aurai Ré bémol. De Ré bémol à Mi bémol, j'ai bien un ton, donc ce qu'il faut au total, 2,5 tons. Donc à partir de Si bémol, je rajoute 2,5 tons. C'est un décalage de 2,5 tons pour avoir la dernière note bémolisée qui est Mi bémol, bien sûr, qui comprendra le Si bémol aussi. Voilà. Donc, il y a une petite astuce, hein. Il suffit de regarder. Soit de comptabiliser le nombre de bémols. Hein. Par exemple, si je suis en prendre 4, par exemple, si vous avez ça à l'armure, l'armure à la clé comme ceci, j'ai un Si. Si, Mi, La et un Ré, par exemple. Mais ici, j'en ai 4. Si vous en avez 4, 1, 2, 3, 4, vous savez que vous êtes en La bémol. Majeur, bien sûr. Mais vous pouvez vous dire aussi, vous regardez le dernier. Là, vous prenez le dernier et vous décalez comme on a fait des décalages comme ceci. Mais pour retrouver, connaissant ceci, pour avoir la note, ben, vous allez chercher. Ici, je vais chercher la bémol. Ici, j'en ai une, deux, trois, quatre. Hein, une, deux, trois, quatre. Je suis en la bémol. En la bémol. Comment on le voit, ben, vous faites un décalage comme ceci. Vous allez chercher l'avant-dernier. Là, vous êtes en la bémol. Voilà. Mais ça, c'est. Il faut ajouter 2,5 tons. Bon, maintenant, si vous enlevez 1,5 tons, là, vous aurez. La note Ré. Si j'enlève de Fa. J'enlève un ton, un demi-ton, c'est Mi. Ré, là j'enlève un ton, là j'ai un demi-ton. Voilà, là j'ai Ré. Donc je suis en Ré mineur. Ré mineur possédera le Si bémol. Regardez bien, je vais le faire tout de suite.
Et Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, pour avoir un demi-ton. Un ton doré, voilà. C'est bien, on compte bien les mineurs, il y a deux, voilà. On a les majeurs, ça fait comme ceci, hein. Comme ceci, une, deux, trois ponts. Ici. On a deux ponts, trois ponts, alors que là, on a un pont, deux ponts, deux ponts. Donc, on a bien si bémol. Alors, je vais faire la gamme suivante, qui contiendra mi, si bémol et mi bémol, la relative à la si bémol majeur. Eh bien, je retire une tierce, c'est-à-dire je retire 1,5 ton. Si bémol, si je retire un ton, je suis à la bémol. Voilà, j'ai retiré un ton. Et si je retire un demi-ton, la bémol moins un demi-ton, je retombe au la. Non, au sol, au sol. Si bémol, je relève un ton, je suis au la bémol. Ouais, la bémol. Et la bémol. On a là, la bémol, c'est la touche là, qui correspond, si vous voulez, au sol dièse. Donc, si je retire un demi-ton, je retombe au sol. Donc là, je serai au sol. Qu'est-ce qui contient en mineur deux bémols? Ben, vous comprendrez que c'est la gamme de sol mineur majeur. Je vais le faire tout de suite. Sol, la, si, do, ré, mi, fa. Sol, sol la, un ton, la si, pour avoir un demi-ton, si bémol, si, si bémol, do, j'ai bien un ton, do ré, un ton, ré mi, pour avoir un demi-ton, il faut bémoliser celui-ci, mi bémol, fa, j'ai bien un ton, fa sol, un ton, do, voilà. Donc j'ai bien si bémol et mi bémol qui sont bémolisés, marqués de sol mineur bémolisé. Alors maintenant, la clé de mi bémol majeur contient si bémol, mi bémol, la bémol. Alors si je fais mi bémol moins 1,5 ton, si je fais déjà moins un demi-ton, mi bémol, moins, je rappelle, il y a mi fa, alors le mi il est là, si j'enlève un demi-ton, je tombe sur la touche, mi fa il est là. Voilà. Mi fa. Pas de touche noire. Hein. C'est normal parce qu'il y a de mi-ton. Alors, le mi il est là. Mais je suis en mi bémol. Voilà. Mi bémol. Moins un demi-ton. Moins un ton. Je suis à ré bémol. Voilà. Maintenant, je vais enlever un demi-ton. Ré bémol moins un demi-ton, normalement je vais tomber au do. Alors maintenant je vais faire monter la gamme complète en do mineur bémolisé. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, un ton, ré, mi.
pour avoir un demi-ton, mi bémol, fa bémol. Normalement, je dois avoir si mi la, si mi la. Si mi, je l'ai, mi fa, ouais, là j'ai un ton, fa sol, un ton, sol la, la bémol pour avoir un demi-ton, la bémol, la si, si bémol pour avoir un ton, et si bémol, do fait un ton, donc c'est juste. Donc j'ai mi, la bémol, si bémol, mi, la bémol, si bémol, voilà. Maintenant, la bémol. Moins mi, un demi-ton, do, ré, mi, fa, sol. Sol bémol, là, je retire un ton. Sol bémol, j'enlève un ton. Un demi-ton, je retombe en mi, fa. Attention que le sol, il est là. Sol bémol correspond à fa dièse. Hein. Donc, si je retire un demi-ton à fa dièse, je retombe sur fa. Voilà. Alors, ré bémol. Si j'enlève un ton, j'aurai do bémol. Do bémol correspond bien sûr à. Le do, il est là. Mi fa. Non, si do. Si, il est là. Do. Do bémol qui correspond. À si. J'enlève un demi-ton, je tombe sur si. Et je dois encore enlever un demi-ton. Si. À si, si j'enlève un demi-ton, à si. Tomber sur do ré mi fa sol la sur la sur la dièse ou si vous voulez sur si bémol. Voilà, et vous avez compris le jeu. Hein. Bon, c'est un décalage. Donc, si vous avez un décalage, si j'ai ré, sol, do, donc j'ai ré, sol, do. Fa. Et vous aurez si bémol et mi bémol, la bémol, si bémol, mi bémol et la bémol. C'est juste un écart, mais vous pouvez faire chaque fois moins 1,5 ton, vous allez retrouver là. Voilà. Le nom de la gamme mineure, en relatif par rapport à la majeure. Donc il suffit d'enlever 1,5 ton par rapport à tout ça. Voilà, je vous remercie.